Salut à toi, bienvenue sur Maths en tête et dans cette activité qui va nous servir à découvrir une fonction un peu particulière, c'est la fonction exponentielle. Donc on va commencer par créer un modèle calqué sur un exemple concret et mettre à jour un certain type de fonction qui vérifie une propriété un peu particulière, ou plutôt deux critères un peu particuliers. Et une fois qu'on aura mis à jour ces deux critères, on essaiera d'approcher graphiquement la représentation de ce type de fonction. Ces fonctions, évidemment, c'est celles qu'on va appeler fonctions exponentielles. Mais pour tout ce qui est détail sur les spécificités de la fonction, ce sera un peu plus tard dans les formats courts. Pour l'instant, on part à la découverte de l'exponentielle. Dans cette première partie, on s'intéresse au nombre de noyaux radioactifs dans une population de noyaux d'iode 131. Et on vous dit qu'elle diminue chaque jour de 8,3%. Rn, c'est le nombre de noyaux au bout de n jours, donc on va exprimer Rn en fonction de R0. Et pour ça, il faut déjà prouver que Rn est une suite géométrique. Donc on part sur du classique. Rn plus 1, c'est Rn, la quantité de noyaux de départ, moins 8,3 sur 100 fois Rn. On met 8,3 sur 100 en écriture décimale, on factorise par Rn et on arrive à montrer que Rn plus 1 c'est 0,917 Rn. On a bien enlevé 8,3%. Donc on conclut que Rn est géométrique. Son premier terme c'est R0, valeur inconnue. Mais sa raison en tout cas, c'est Q égale 0,917. Donc en fait, la première question, A, revient à avoir la définition explicite de cette suite. Donc Rn, ça va être R0 multiplié par la raison puissance n. Je vous l'ai déjà réécrite sous forme récurrente. Et donc sous forme explicite, ça donne Rn égale R0 multiplié par 0,917 puissance n. On introduit une deuxième suite, F indice n, qui vaut Rn sur R0. Et on vous demande de vérifier que F indice n vérifie une certaine propriété. Donc évidemment, F indice n, c'est 0,917 puissance n, vu qu'on divise par R0. Et donc F indice n plus m, c'est 0,917 puissance n plus m. Et puis F indice n multiplié par F indice m, on utilise les propriétés des puissances pour prouver que c'est la même chose. Donc cette propriété, elle va vraiment être importante. Et on a montré qu'une somme d'indices se transformait en produit de termes. Sauf qu'une suite, c'est défini sur un ensemble discret d'entiers. 0, 1, 2, 3. Donc on va basculer sur les fonctions, sur un ensemble continu, c'est-à-dire sur des intervalles. Donc on va poser une fonction f de n égale f indice n pour faire le raccord entre les suites et les fonctions, et on va étendre cette propriété. On va l'écrire de la manière suivante, on va oublier les indices n et m, on va prendre t et puis a, et on a f de t plus a qui va être égal à f de t fois f de a par rapport à ce qu'on vient de faire juste avant. L'idée majeure, c'est de partir de ce point et d'en extirper des critères bien particuliers pour faire parler cette fonction. La première chose à vérifier pour voir si le raccord des modèles est correct, c'est de vérifier que f de 0 vaut la même chose que f0. f0, je vous rappelle que c'est r0 sur r0, c'est-à-dire 1. Eh bien, vérifions-le avec les fonctions. Et on va prendre petit a égal à 0 pour ça. On se retrouve donc avec f de t plus 0 égale à, par définition, f de t fois f de 0. F de t plus 0, c'est f de t. Donc en fait, par équivalence, on a bien f de 0 qui vaut 1, c'est la seule possibilité. Donc au niveau de ce raccord-là, pas de problème. Deuxième question, on va s'intéresser à la dérivée de cette fonction. Qu'est-ce que c'est que la dérivée de f de t plus a? On est en présence d'une fonction composée. Donc ça fait f' de t plus a multiplié par la dérivée de l'intérieur. Je vous rappelle que l'inconnu c'est t, donc en fait, eh bien, la dérivée c'est 1. Donc f de t plus a, le tout prime, c'est f' de t plus a. Et par égalité, on sait que ça va être égal à la dérivée de f de t fois f de a. Sauf que f de a, c'est une constante. Donc quand on dérive f de t fois f de a, ça fait f de a, que je mets devant, fois f' de t. Donc f' de t plus a, c'est égal à f de a fois f' de t. On arrive à cette relation.
Et l'idée, c'est qu'on a fixé A. Donc dans la dernière, on va prendre un T particulier, 0, pour arriver à une relation sur les dérivés. On a donc, d'après ce que j'ai souligné précédemment, f' de 0 plus a égale f de a fois f' de 0. Donc f' de a est égal à f de a multiplié par ce fameux f' de 0 qui vaut quelque chose, une constante qu'on va écrire k. Et donc là, on arrive à quelque chose de fondamental. On vient de montrer que la dérivée de cette fonction, c'était égal à la fonction elle-même multipliée par un nombre réel. Donc en gros, pour caricaturer un petit peu, la dérivée et la fonction vont être égales à un coefficient multiplicatif près. Donc si on résume en partant de cet exemple de suite géométrique, on arrive à une fonction qui vérifie deux choses, f de 0 qui vaut 1 et f' de x qui vaut k fois x. Et justement, on va s'intéresser aux fonctions qui vérifient cette relation. Une relation entre une dérivée et une fonction, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. La solution de ce type d'équation, ce n'est pas un nombre, contrairement aux équations classiques, c'est une fonction justement. Et on va essayer de débusquer la fonction qui est là derrière, en tout cas les propriétés qui la définissent. Il y a beaucoup de situations où ce genre d'équation est rencontré, en physique en particulier. Et nous, pour simplifier un peu le problème et pour nous pencher sur notre fameuse fonction exponentielle, on va prendre k égale 1. En résumé, on va essayer de découvrir les propriétés d'une fonction qui vérifie f de 0 égale 1 et f' de x égale f de x, c'est-à-dire la dérivée est égale à la fonction elle-même. Partons donc d'une fonction f vérifiant ces deux contraintes et introduisant une nouvelle fonction h égale à k fois cette fonction f. On va vérifier que h est également solution de l'équation différentielle. Comment faire? Tout simplement en dérivant h. H' de x, c'est la dérivée de k fois f de x, k étant une constante, ça fait donc k fois f' de x. Et f' de x, par définition, c'est f de x. Hein. Donc, on trouve k fois f de x. Et k fois f de x, c'est bien c'est h de x. Donc, on a bien h' égale h. Donc, cette fonction h est aussi solution de l'équation différentielle qu'on écrit y' égale y. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que dès que vous tenez une solution f, si vous en voulez une autre, il suffit de la multiplier par une constante. Sur la question 2, on va essayer de tracer une représentation graphique de la fonction f. Et ce, grâce à la méthode de l'air. Mais avant, on va déjà se pencher sur un point A0, coordonnées 0, 1, et déterminer l'équation de la tangente à la courbe en ce point. Donc on a toujours f de 0 qui vaut 1, f' de x qui vaut f de x, c'est vraiment la contrainte. Équation de tangente, t de point y égale f' de x0, ici c'est 0, facteur de x moins x0, donc x moins 0, plus f de x0, c'est-à-dire f de 0. F de 0, ça vaut 1, et f' de 0, c'est la même chose que f de 0, par définition, donc ça vaut 1 aussi. Du coup, on se retrouve avec une équation de la forme y égale x plus 1. Et on vous dit que cette équation de tangente représente la fonction g de x. La fonction g, qui va être donc une fonction affine, mais par morceau, étant donné qu'on va découper l'intervalle en petits intervalles de longueur 1, et bien cette fonction g, c'est la meilleure approximation affine de f, au voisinage des points. C'est la définition même d'une tangente. Allez, c'est parti pour la méthode de l'air. On va partir sur un deuxième point qu'on va écrire A1. Ses coordonnées, c'est donc 1. Et puis, g de 1. Pour avoir g, évidemment, on remplace 1 plus 1, ça fait 2. Donc le point A1, ses coordonnées, ça va être 1, 2. Et l'idée, c'est d'approximer à nouveau f grâce à l'équation d'une tangente. Voilà l'idée derrière la méthode de l'air. Je calcule y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. F de 1, c'est la même chose que G de 1, au voisinage de 1, donc ça vaut 2. Et F' de 1, eh bien c'est F de 1 par définition, donc G de 1, donc 2. D'où l'équation 2, facteur de x moins 1, plus 2. Ce qui se réduit en 2x moins 2 plus 2, c'est-à-dire 2x. On a notre deuxième partie de notre fonction G, mais cette fois-ci sur l'intervalle 1, 2. Donc A2, de coordonnées 2, g de 2, ça fait donc 2 fois 2, 4. Le point A2, c'est 2, 4. G à 0, G à 1, G à 2,
va généraliser un tout petit peu les choses avant de faire le tracé. Et pour ça, on va se situer sur l'intervalle k, k plus 1. Et on va montrer que sur cet intervalle, g de x égale à g de k facteur de x moins k plus 1. Comment faire ? Eh bien, g de x, n'oublions pas que c'est l'équation de la tangente. Donc c'est y égale f' de k facteur de x moins k plus f de k. Or, on sait que f' de k, c'est la même chose que f de k. On va commencer par là. Et puis on voit qu'on a des f de k dans deux termes de l'expression. Donc on va factoriser tout naturellement pour arriver au résultat voulu. On arrive à f de k, facteur de x moins k, évidemment, plus 1. On a toujours un facteur 1 à côté de f de k. Et donc qu'est-ce que c'est que f de k? Au voisinage de k, c'est la même chose que g de k. Donc g de k, facteur de x moins k, plus 1. On va en déduire une relation entre g de k plus 1 et g de k en remplaçant x par k plus 1. On obtient donc g de k plus 1 égale g de k bien sûr. Et puis dans la parenthèse, k plus 1 moins k plus 1, les k s'en vont, on se retrouve avec 1 plus 1, 2. Donc g de k plus 1, c'est le double de g de k. Ce qui va nous permettre de gagner quand même du temps. Plutôt que de faire ça point par point, on a notre relation qu'on va pouvoir déjà dans un premier temps vérifier sur les points qu'on a et étendre à d'autres points. On avait A0 qui valait 0,1. A1 c'était 1, le double de 1 ça fait 2. A2 c'était 2, le double de 2 c'est 4. A3 ça va donc être 3, le double de 4 c'est 8. Je place le point à 3. Et dans l'autre sens, étant donné qu'on fait x2 pour avoir des points qui sont situés à droite de A0, pour se situer à gauche, on va diviser par 2 les ordonnées évidemment. Donc le point qu'on va écrire A-1, ses coordonnées, c'est -1, 0,5. Et le point A-2, ça va être -2, 0,25. On constate au passage quelque chose de fondamental sur la courbe de la future fonction exponentielle, c'est qu'en fait, toutes les images des nombres sont positives. On ne peut pas atteindre 0. Et donc en reliant par une ligne brisée, on obtient une fonction affine par morceau qui va s'approcher de notre fonction exponentielle. Donc pour résumer, pour l'instant, on sait juste que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui vérifie f de 0 égale 1, qui vérifie f' de x égale f de x, et qui a une courbe représentative proche de celle qu'on est en train de dessiner. On est parti du fait que f de a plus t, c'est égal à f de a multiplié par f de t. Tout part de là, et la suite, c'est dans le cours. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager celle-ci, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.